Bonjour, bienvenue à cette toute dernière rencontre du festival, enfin, de cette semaine de rencontre du festival Bilili, qui est une semaine, vous voyez, j'ai déjà perdu ma voix, une semaine qui a été riche et éprouvante, et qu'on souhaitait, enfin, que les responsables souhaitaient conclure, après avoir abordé un certain nombre de sujets liés à la bande dessinée, par un sujet qui me paraît très important quand on réfléchit à la question de la bande dessinée. C'est celui de son héritage, autrement dit. Quelle est la mémoire et comment on peut se référer à cette mémoire, comment on la constitue. Alors, pour en parler, on a rassemblé autour de cette table des personnalités qui, à un titre ou à un autre, travaillent cette question de la mémoire de la bande dessinée, œuvrent, je dirais quasiment tous les jours, pour constituer la mémoire de l'édition de la bande dessinée dans leurs aires, leurs zones géographiques respectives. Et donc, on va, pendant cette petite heure, essayer de comprendre comment ce patrimoine, cette patrimonialisation, excusez-moi du terme un petit peu barbare, se met en œuvre. Donc, pour y répondre, j'ai à mes côtés donc, Isabelle De Becker, qui est directrice générale du Centre de la bande dessinée belge, Joël Épée, qui dirige donc, est-il besoin encore de la présenter, donc qui dirige le festival Bilili et qui nous parlera d'un projet sur lequel elle travaille, qui se situe donc dans cette perspective de constitution d'une mémoire de la bande dessinée sur le continent africain, et elle nous dira évidemment où en est ce projet, vers quoi il tend, et puis moi-même, si vous le permettez, je pourrais vous donner quelques explications sur le lieu où je travaille tous les jours, qui est la Cité internationale de la bande dessinée et l'image, notamment comprend un musée de la bande dessinée. Donc je vais me tourner tout de suite vers Isabelle. Bonjour, qui donc travaille, dirige un musée de la bande dessinée, de nous dire comment celui-ci, nous raconter en quelques lignes, quelques mots, comment ce musée est né, et en quelques lignes, comment il valorise, met en avant la production dessinée. Alors, le lieu s'appelle le Centre belge de la bande dessinée. Est-ce que ce lieu ne concerne que la bande dessinée belge? Alors non, pas du tout. C'est bien le Centre belge de la bande dessinée et pas le Centre de la bande dessinée belge, ni le musée de la bande dessinée belge, mais bien le musée belge de la bande dessinée. Enfin non, même on dit juste musée de la bande dessinée. Il paraît qu'il y en a un autre à Angoulême, mais les gens ne connaissent pas trop. Donc le musée de la bande dessinée à Bruxelles va fêter dans un an ses 35 ans. Donc ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on travaille autour de la patrimonialisation de la bande dessinée. Ce musée est né d'un projet de quelques grands amateurs de bande dessinée et il est né par hasard. Donc, je vais vous raconter l'histoire, mais en très résumé, parce qu'elle est un petit peu longuette. Mais il y avait un bâtiment, un très très beau bâtiment de l'époque d'Art Nouveau de Victor Horta, qui était devenu un squat au centre de Bruxelles. Et la région de Bruxelles voulait en faire un parking et une bande de passionnés d'architecture Art Nouveau. Donc, on n'est pas du tout dans la bande dessinée. On demandait à l'État belge de sauvegarder ce bâtiment et l'État a dit on veut bien sauvegarder le bâtiment à condition que vous avez un projet à proposer parce qu'avoir un bâtiment vide ça ne sert à rien. Et donc l'État a racheté le bâtiment ou la région a racheté le bâtiment, il a été classé et dans ces passionnés d'Art Nouveau il y avait un monsieur qui s'appelait Guy de Sissi qui était un ancien coloriste d'Hergé et il s'est dit on va faire
un grand musée Hergé autour de Tintin, etc., dans le centre de Bruxelles. Il a parlé de ce projet à Hergé, et Hergé, de manière très humble, a dit bah « non, fais-en un temple dédié au 9e art ». Et donc, c'est comme ça que le projet est né. Le défaut... voilà, je vais commencer par ça, mais il y a plein de qualités. Mais le grand défaut de ce démarrage de projet est qu'il a été démarré par des amateurs. Donc ça a eu le mérite d'exister, mais ce sont des amateurs qui l'ont démarré parce que ça n'existait pas encore, en fait, ce genre d'institution autour de la bande dessinée. Et vu que le médium de la bande dessinée, même si on pourrait dire que la Belgique est un petit peu le berceau de la bande dessinée, ça n'a qu'un siècle, en fait. Donc il n'y avait pas encore de pratique au niveau de la conservation, de réflexion autour de la conservation. Et donc à ce niveau-là, je ne vais pas dire qu'on a tout inventé, parce que c'est loin d'être vrai. Il y a nos collègues d'Angoulême aussi qui ont beaucoup travaillé autour de ça, et aujourd'hui il y a plus en plus de personnes, d'universitaires, etc., qui travaillent sur ce sujet-là. Mais donc on a beaucoup appris de nos erreurs, et en fait on n'est pas aussi loin que ce qu'on aimerait bien autour de la patrimonialisation. Je vais encore juste rajouter une chose, et puis je passerai la parole quand même. Mais quand on parle de musée de la bande dessinée, pour beaucoup de personnes, ça évoque les planches originales. Mais en fait, la base de notre travail, c'est vraiment de sauvegarder le patrimoine livre de la bande dessinée. Parce que si aujourd'hui, on trouve encore des albums d'Hergé, pour ne pas le citer, ou bien de Franquin dans les librairies, c'est pas vrai pour toutes les bandes dessinées. Et en fait, la durée d'une bande dessinée en librairie ou disponible sur le marché, finalement, est assez courte, même si pour certains albums, il y a des réimpressions pendant 10 ans, ce qui est le cas, je pense, pour Les Ignorantes d'Avodo. Mais on peut pas du tout dire que c'est le cas pour toutes les BD. Et donc, c'est très important de garder une trace de ça, parce que ça disparaît une fois que c'est parti chez le consommateur, chez l'acheteur, chez le lecteur. Si c'est pas en bibliothèque, ça n'existe plus, en fait. Voilà, je voulais juste souligner ce petit point-là. Merci. Je t'en prie. Alors, je vais m'autoriser à mon tour à parler de la Cité de la bande dessinée, comme je l'avais annoncé, et retracer en quelques lignes, en quelques mots, l'histoire de cette institution qui donc est née à Angoulême, alors qui accuse quelques différences avec l'institution que vient de présenter Isabelle. Donc, notre musée de la bande dessinée, notre Cité de la bande dessinée est née dans le prolongement du Festival de la bande dessinée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet événement qui a lieu depuis plus de 50 ans en France, et qui a contribué notamment à mettre l'éclairage très fortement sur la bande dessinée. Et après quelques années de présentation du festival, quelques élus, quelques responsables, quelques auteurs, le gouvernement français, l'État français, a décidé de créer un lieu. Alors au départ, on ne parlait pas de musée, mais un lieu qui serait une sorte de mémoire, de conservation de la mémoire, où on engrangerait des données. Autrement dit, il existait à proprement parler aucune histoire, ou histoire importante en tout cas, de la bande dessinée en Occident, de la bande dessinée française, quelques articles ici et là. Et donc là, l'idée, c'était de rassembler, donc de constituer plutôt un centre de documentation où on réfléchirait à ce qu'est la bande dessinée. Et puis très rapidement, en fait, ce projet a évolué vers un lieu de conservation, et plus encore, de musée, puisque... On s'est rendu compte, par exemple, que au fil des ans, le Festival de la bande dessinée, enfin les auteurs, pardon, qui venaient au Festival de la bande dessinée, abandonnaient, donnaient des planches au musée d'Angoulême, le musée des Beaux-Arts d'Angoulême, qui n'est pas un musée spécialisé évidemment en bande dessinée, et qui s'est retrouvé à la tête d'une collection de environ 300 planches assez hétéroclites, données. Chaque année, par un auteur qui passait par le musée et qui avait cette conscience, c'est important à souligner, de l'importance, comme le disait Isabelle, de conserver la mémoire de leur travail et de le faire. Donc, naturellement, ils donnaient leurs planches à un musée, même si, encore une fois, ça n'était pas un musée de la bande dessinée, mais parce qu'un musée conserve, un musée protège.
Et donc, au moment où cette réflexion sur un lieu pérenne qui travaillerait à la patrimonialisation de la bande dessinée a vu le jour, eh bien, ce lieu était la destination trouvée pour récupérer cette collection et faire le noyau et qu'elle devienne le noyau d'un projet beaucoup plus important de musée de la bande dessinée. Et c'est devenu un projet d'État puisque la Cité internationale de la bande dessinée fait partie des grands travaux du président de la République, François Mitterrand, qui avait lancé un train de réformes et de travaux, dont des grands établissements en dehors de Paris, en province, et la Cité de la bande dessinée, pardon, fait partie de ces travaux, de ces grands travaux, et donc c'est comme ça que s'est constitué le musée de la bande dessinée avec une approche complémentaire assez proche au fond de ce que décrivait Isabelle, c'est-à-dire que la principale collection, enfin, la différence, nous, c'est que la principale collection, c'était donc les planches originales, qu'on a constamment enrichies, hein, on est passé de 300 à aujourd'hui 20 000, à peu près. Ifrim, mais chez nous aussi, hein, il y a 20 000 planches. Non, c'est pas du tout pour ça. En l'espace de 30 ans, voilà, donc on est moins vieux que vous, moins vieux que le centre belge. Mais on a complété, si je puis dire, cette collection de planches par des collections de livres, parce que, évidemment, comme le disait Isabelle, c'est très important aussi de constituer la mémoire de l'édition. En l'occurrence, nous, c'était la mémoire de l'édition en France, donc de livres publiés, de livres français, mais pas uniquement, même des livres traduits en français, et de savoir ce qui, chaque année, pendant une centaine d'années à peu près, puisque ça commence à peu près, le début de la collection commence à peu près dans ces années-là ou à la fin du 19e, et de comprendre, d'avoir une vue sur l'édition de la bande dessinée pendant toutes ces années. Donc voilà, je reviendrai sur plus précisément sur un certain nombre d'activités de valorisation de la bande dessinée, mais je vais me tourner, chez nous, je veux dire, mais je vais me tourner maintenant vers Joël. Est-ce que le moment est venu pour toi de parler du projet? Donc on vient de le voir, là, des projets qui se sont transformés en réalité, hein, qui ont une réalité tangible aujourd'hui à travers ces musées. Je sais que toi, tu es en gestation, au-delà de la réflexion même. Tu commences à travailler sur un projet analogue. Oui, merci de me donner la parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ce n'est pas grave, je m'appelle Joëlle Épée, et à la racine, je suis autrice de bande dessinée, créatrice du Bilili BD Festival, et plus récemment, co-commissaire sur plusieurs expositions temporaires. Avant d'arriver au projet en lui-même, je vais juste contextualiser le pourquoi, du comment, de qui, quoi. En tant qu'autrice de bande dessinée, je me suis rendu compte que nous vivons pas mal de tragédies. En tant qu'auteur, on perd des planches. Parfois, tu fais un voyage, tu as tes planches originales et quelqu'un voit ton sac et décide que dans ton sac, ce papier, c'est de l'argent. Hein? Il prend ce sac. Toi, c'est tout ton travail qui est parti. Lui, ça n'a aucune valeur pour lui. Du coup, il le jette. Il y a d'autres types de traumatismes comme la perte des données. Tu veux archiver ton travail numérique sur ton cloud et pendant que tu fais le transfert, il y a une coupure de courant, tes fichiers ont disparu, ils ne sont plus dans ta machine, ils ne sont pas dans le cloud, ils sont ailleurs. Et ce sont de vrais traumatismes, en fait. Et on parle là parfois de données très importantes, enfin, quantitativement parlant. Enfin, là, je parle de choses que, à mon niveau, j'ai déjà eu à perdre 2 ans et demi de données que j'étais en train de sauvegarder. Et pendant le transfert, il y a eu un problème de connexion. Et j'ai mis 3 mois à faire mon deuil. À reconstituer. Je me suis dit, merci, merci. 2 ans et demi. Les derniers, 6 mois aussi. Et après, comme j'ai étudié la bande dessinée à Liège, à Saint-Luc, et qu'on nous parlait beaucoup du papier à l'époque. On nous emmenait dans les musées. J'ai eu l'opportunité de visiter le centre de la bande dessinée. J'ai eu l'opportunité à un moment d'aller au festival d'Angoulême. On n'avait pas forcément accès
au musée à ce moment-là, mais on attirait notre attention. On était super sélectif. De quoi ? On était très sélectif. Mais quand t'as fait... Merci. Quand tu as fait tes études, c'était déjà tout en numérique ? Non, justement, on essayait de nous apprendre à toujours conserver le papier. Quand j'étudiais à Saint-Luc. Et à bien le conserver. Parce qu'on disait, sur ton papier, et c'est ce qu'on a vu en fait, quand je suis allée, quand j'ai vu mes premières planches originales de Hergé, et que j'ai vu que, ou Franquin, c'est Franquin surtout, parce que Franquin, il charcute ses planches, il y a pas mal de traces de lame, quand il coupe à l'encre, et le papier souffre en fait. Et on voit les traces de crayon, on voit tout le travail de l'auteur. En une planche, on voit toutes ces étapes. Et à l'école, c'est ce qu'on nous disait. Conserver une trace papier, parce que le numérique, c'est très bien, mais le numérique ne permet pas de bien conserver la mémoire du processus. La génétique. C'est ça. Et un trauma après un autre, j'ai commencé à réfléchir à comment est-ce que, imaginons 2 secondes, que un jour je ne veuille plus être autrice de BD et que pour X, Y raison, de toute façon, je ne suis même plus là, je suis morte. Mais quelle belle histoire! mais dans 50 ans, dans 60 ans, dans 80 ou dans 100 ans, la vie d'Eben Douta, ben, comme tu l'as si bien dit, il y a des bandes dessinées que moi j'ai affectionnées petites. Le travail de Jeannot, par exemple, trouver des BD de Jeannot, c'est quasiment impossible. Sur le continent, tu veux dire. De quoi ? Ici. Non. On les réédite plus, les Jeannot. Oui, absolument. On les réédite plus. On les trouve, effectivement. Et quand je dis Jeannot, il y en a là qui ne savent même pas de quoi je parle, tu vois. Jeannot, le Didier Catlague français. Didier. Voilà, tu vois. Maintenant, on redéfinit Jeannot comme avec l'influence qu'il a eu sur un auteur qui le fait revivre d'une certaine manière. Donc, le temps passe, la mode passe, la popularité passe, et si on ne réfléchit pas à conserver ce qui se fait, on perd la mémoire du passé, et tu vas avoir quelque chose de naturel dans la nature humaine, c'est que chacun va penser que c'est lui qui a inventé l'eau chaude. Alors que non, ce n'est pas toi qui l'as inventé. C'était l'apostrophe. Si certains d'entre vous étaient là, cette semaine, on a reçu Hilaire Billet qui a apostrophé en fait les auteurs dans la salle en disant : est-ce que vous connaissez ce personnage ? Allez lire ce personnage. Oui. Et puis vous allez mieux comprendre ou comprendre différemment les choses. Exactement. Nous avons par exemple, tu veux voir de l'eau, Jean-Philippe ? On est en direct. Quelque chose qui t'arrive, je ne veux pas que ce soit en direct. Alors, qu'est-ce qu'on disait ? Pardon, excusez-moi. Non, mais je redonne le contexte, en fait, qui explique aussi cette rencontre et cet échange. Face à tous ces traumas, en tant qu'autrice, je me suis dit, OK, si je me projette dans 100 ans, normalement, avec un peu de chance, je suis libérée de ce corps, qu'est-ce qui reste ? Comment est-ce que on assure une pérennité à un travail ? Et comment est-ce qu'on évite que chaque nouvelle génération se sente investie du pouvoir de marquer l'histoire alors que l'histoire a déjà des traces ? Et c'est ce qui m'a conduit à créer un festival de bande dessinée. Parce qu'avec le festival de bande dessinée, tu rassembles des gens, tu regroupes, vous discutez, vous échangez, et au fur et à mesure que le festival évolue, des questions de conservation, et vous êtes la preuve dans votre discours que... Vous êtes la preuve dans votre discours que c'est un cheminement naturel, c'est qu'à un moment donné, il y a un regroupement de personnes qui se posent la question de l'avenir, du futur, et comment on le conserve. Quand tu as parlé du coloriste d'Hergé, ou quand toi tu as parlé d'une bande de copains avec l'État ou quoi, voilà, on avait déjà créé un festival, et le festival c'est une bande de potes
qui a créé le festival. Donc, naturellement, au fur et à mesure qu'on produit, et ayant eu... Je peux faire une toute petite parenthèse. Une conversation. Merci. C'est qu'on parle de conservation beaucoup, mais il y a un autre rôle qu'on porte et qui est très important, évidemment, c'est qu'au-delà de la conservation, c'est la valorisation de tout ce travail et de tout ce qu'on garde. Donc, évidemment, notre objectif n'est pas d'avoir que ce soit des albums de bande dessinée ou des planches originales et de les mettre dans un tiroir et de dire « Ouais, j'ai un trésor !» Non, j'ai un trésor, qu'est-ce que j'en fais ? Et c'est pouvoir répondre à des demandes extérieures, c'est pouvoir monter des expositions chez nous, pouvoir montrer au public la manière de travailler, les étapes de... Et ça, c'est tout aussi important parce que juste conserver, ça ne sert à rien. Voilà, c'était une parenthèse. Et ça me permet de rebondir sur l'exposition que le Centre Belge a montée juste avant Billy Lee. C'est la première fois que cette exposition est présentée au grand public. Ça s'appelle Fabrica BD. Vous pouvez la trouver juste après le stand des jeux vidéo. C'est une exposition en 7 à 9 panneaux qui explique les étapes de la création d'une bande dessinée, de l'idée au façonnage. Voilà. Et vous avez tout pendant encore un jour et demi. Hein, vous avez encore la possibilité d'aller visiter cette exposition-là qui a aussi été imprimée dans une version itinérante afin d'être visible dans les écoles. Parce que toutes les écoles ne peuvent pas faire le déplacement pendant Billy Lee pour voir ce qui se fait. Et cette exposition-là que le Centre Belge a faite a été envoyée pour ça. Oui, non, mais bien sûr, la valeur, c'est tout ça en fait la discussion. C'est que nous, en tant qu'auteurs, à la racine, nous sommes des créateurs. Nous ne sommes pas équipés ni outillés pour se vendre. Donc, mon profil est assez atypique et je ne peux pas forcément le dupliquer à l'infini. Parce que ce n'est pas ça, être un auteur de BD. Maintenant, moi, j'ai évolué d'auteur de BD à créatrice de festival à commissaire d'exposition. Le commissaire d'exposition, c'est parce que j'ai été au Louvre. Et quand j'ai été formé au Louvre sur la confection d'expositions temporaires, j'ai mieux compris l'envers du décor quand on veut valoriser justement ce qu'on a chez soi ou quand on veut travailler sur des collaborations. Donc, tout ce bagage m'a vraiment nourri. Et après, comme j'ai dit, c'était pas seulement mes traumas, mais les traumas d'autres artistes. Lorsque j'ai eu l'opportunité d'être invité aux rencontres internationales de la bande dessinée de la cité, qui parlait de la patrimonialisation. C'était en 2022. Ah oui, c'est non. Vrai, il y a eu une... 21, 22. Il y avait une période à cheval. Tu sais, on avait les pays, il y avait les États-Unis. Il y avait les pays avec une tradition. C'est ça, on était tous là. Chacun était venu témoigner, effectivement, comme on le fait aujourd'hui, de l'avancement. Il y avait plusieurs directeurs de musées de bande dessinée. Notamment le plus gros musée au monde. Qui est aux États-Unis. À côté desquels on est un peu des nains, quand même, faut le dire. Vous êtes deuxième quand même. Je suis pas sûr, mais enfin, à nous deux peut-être. Oui. Et puis des musées émergents, autrement dit. Je crois que c'était un musée à Cracovie qui est en train de naître. Pardon, il y en a un autre qui est né à Lodz. En Pologne. Donc il y a déjà deux musées en Pologne. Il y en a un qui est en cours en gestation, et puis l'autre, effectivement, je ne saurais pas dire exactement ce que... Il est ouvert. Mais voilà. Musées, on en voit de plus en plus. Cette rencontre-là, ça a été un électrochoc, parce que j'avais cette envie, j'avais cette réflexion, mais venir, on en avait un tout petit peu parlé avec la cité, c'est pour ça que vous m'avez invité, mais arriver et voir autant de musées de la bande dessinée, et te voir que, comme tu l'as si bien dit, Isabelle, ça fait moins d'un siècle. En termes de distance, souvent on a l'impression que ce soit le regard de l'autre qui nous chosifie ou nos propres complexes, on a l'impression que nous sommes toujours en retard, surtout.
Eh bien, justement, là-dessus, je voudrais de nouveau faire une parenthèse, mais en fait, je vais parler pour moi. Vu qu'on a été mis en place par des amateurs, et ils ont beaucoup de mérite hein, pour ce qu'ils ont fait, vraiment, enfin, leur travail a été extraordinaire, mais on n'a pas, on n'est pas aussi loin que ça. Et longtemps, le centre belge a eu un complexe parce que on se disait ah là là, mais la collection n'est pas tout à fait à jour. On a des trous, on n'a pas pu inventorier correctement toutes nos planches, tous nos livres. On a inventé une manière de l'inventorier, et puis on se rend compte que ça tient pas debout parce que c'est compliqué. Une BD, c'est le dessinateur, ou bien c'est le scénariste, ou bien c'est la maison d'édition, et quand c'est une série, et quand c'est un one-shot. Et donc, on s'est retrouvé, vu que le médium a beaucoup évolué, on se retrouvait chaque fois à devoir réinventer la roue. Et donc, on n'est pas si loin que ça, en fait. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que vous êtes un petit peu dans le même cas que nous. Pas mal d'aller-retour sur le travail, ah oui. Et qu'on a dû mettre en place des process de travail. Et maintenant, on se dit, voilà, maintenant, on peut vraiment monter dans le train et avancer. Et je me rends compte que les musées qui vont ouvrir aujourd'hui ou qui sont en train de se mettre en place, ils vont pouvoir bénéficier d'une expérience, de pas mal de chutes qu'on a fait. Mais c'est le bon moment, en fait. C'est le bon moment de se lancer dans ce projet. Parce qu'aujourd'hui, on peut encore retrouver des choses, mais dans 50 ans, ce sera plus possible. Quoi. Il y aura tous les débuts qui auront disparu, les auteurs ne seront plus là, les témoignages. Et donc, je pense qu'il ne faut pas rater le coche par rapport à ça. Et par rapport à ce que tu viens de dire, puisque j'ai dit que c'est une conversation, après, on va bien sûr donner au public la possibilité de s'exprimer. Kimani, qui devait intervenir, mais qui... pour des raisons XY, n'a pas pu confirmer sa présence. Il m'a parlé de personnes qu'il a interviewées, dont il a conservé les planches par fascination, des personnes qui ont publié dans les mêmes journaux pendant plus de 40 ans et qui, deux semaines après l'interview, sont décédées. Donc, ça te fait... toute une mémoire. C'est l'amorce de la constitution de quelque chose qui pourrait s'approcher d'un musée, ce que tu décris là. Mais toute cette mémoire, c'est pas qu'il ne sait pas quoi en faire, c'est pas ça le sujet, mais il ne se sent pas d'en faire quelque chose. Il éprouve le besoin, voire la nécessité de transmettre à quelqu'un qu'il pourra conserver. Et c'est comme ça qu'on en a connecté sur le sujet où je vais bien sûr parler du projet en cours, mais ça a vraiment été les rencontres internationales de la bande dessinée. Je précise parce que la Cité les organise au moins une fois l'an et que cette année, vous étiez plus sur le webtoon, mais voilà, vous vous intéressez vraiment à la dynamique, à l'évolution, au challenge et autres de ce qui se fait. Et c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment cristallisé dans ma tête qu'il nous faut un musée de la BD. Il nous faut un espace où on va archiver notre travail. Donc tout le monde a bien entendu ce qui vient d'être dit à l'instant. On est en train de parler d'un musée de la bande dessinée, non pas à New York, Europe, je ne sais où, mais ici, ici, au Congo. Ah, non, il n'avait pas compris. Il ne faut pas dormir, les amis. Il faut rester concentré, les gens. Mais oui, il nous en faut un. Pour les auteurs qui sont là, ils ont remarqué que Billy Lee, depuis peut-être 3 ans, impose à toutes les personnes qui veulent louer un stand de donner des œuvres. Tous les éditeurs qui ont un stand à Billy Lee le savent. Ça fait un petit moment qu'on impose de donner un certain nombre d'œuvres parce qu'on se disait, oui, il y en a qui n'ont même plus les fichiers sources de leurs travaux. T'es super content d'avoir vendu tout ton stock, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réimprime? Comment on en parle? Comment on valorise? Ça a vraiment été la réflexion qui va être et faire partie des prochains chantiers de Billy Lee. Et je me rends compte que c'est un modèle
plus ou moins hybride dans la réflexion, parce que cet espace sera né après le festival Bilivi. Mmh. C'est marrant comme Angoulême, c'est... L'identité des parcours comme ça, qui est frappant. Mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une logique de progression, dans ton cas, donc, d'auteur à directrice de festival, et que tu éprouves la nécessité, toute normale, donc à ce moment-là, d'aller plus loin, de pérenniser cette manifestation éphémère, enfin éphémère dans le sens où, au bout de la semaine, elle s'achève, et puis on attend l'année d'après pour la nouvelle édition. Et là, l'idée, c'est aussi d'avoir quelque chose toute l'année, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Le but de ce type de structure, parce que ce ne sera pas forcément... Enfin, tu as dit le musée belge de la bande dessinée, mais tu l'as bien précisé, ce n'est pas juste un lieu de conservation. De la même manière, de l'autre côté, ce n'est pas le musée seulement, c'est la cité, parce qu'on on envisage plusieurs activités. D'autres activités complémentaires, au fond. Complémentaires. Et ce serait le même modèle pour qu'à l'année, on puisse garantir de la visibilité, des actions communes, de la mobilité de ressources, de la résidence, qu'on puisse permettre à des personnes comme le professeur Millet, qui est historien de la bande dessinée, ben, de pouvoir avoir accès aux productions plus récentes pour qu'ils puissent challenger les productions récentes, travailler à une certaine esthétique. J'ai vu lors d'une conférence, il me semble, sur la création congolaise et l'influence du manga, oui, qui avait une vraie question sur l'identité. Et ça a traversé, pour avoir suivi une bonne partie des conférences cette semaine, cette question de l'identité, elle était au cœur de beaucoup d'interventions. Oui, et ça se voit aussi même dans le patronyme, on va dire. Le terme manga est rattaché à toute une identité et une culture. Vous avez décidé de définir la vôtre bande dessinée franco-belge. Vous avez absorbé la Suisse, le Luxembourg et tous les autres pays francophones autour. Parce qu'il me semble que... Mais en fait, Moumine ne se définit pas comme franco-belge, puisque Moumine n'est pas belge. Tu vois ce que je veux dire? Chacun est vraiment dans sa réflexion sur l'identité. Et je finis et puis tu pourras intervenir. J'ai rien à dire, en fait. Mais même sur le continent africain, c'est une vraie question. Quand les auteurs de BD de la côte Est, en partant de l'Éthiopie vers le Sud et d'expression anglaise, se rattachent au terme sensil, parce que sensil, c'est la façon de définir narration séquentielle en Swahili, il me semble, ou en Amérique, c'est Amérique ou Swahili, il faut que je vérifie, ou que des dessinateurs afro-caribéens qualifient leur création d'influence manga des Kemti. Pour rappeler la racine Kem du continent, mais leur identité aussi. Donc, il y a vraiment une question identitaire très intéressante à archiver, à valoriser, à mettre en miroir pour que les auteurs, par exemple, du Congo n'aient pas l'impression qu'ils sont seuls dans cette réflexion, ou que les auteurs du Sénégal, en donnant un terme à leur création, n'imaginent pas en disant, et ça va être l'extension de ma discussion, c'est que j'ai entendu plusieurs fois les éditeurs dire « je fais de la BD africaine, mais la BD du Maroc n'a rien à voir avec la BD d'Égypte, alors que c'est le même Maghreb. La BD du Niger ne ressemble pas à ce qu'on fait au Congo, qui ne ressemble pas à ce qu'on fait en Angola, alors que c'est l'Afrique centrale. » Donc, c'est très ambitieux de dire « africain » tout de suite, alors qu'on est vraiment dans comment on définit notre propre identité. J'ai quand même quelque chose à dire. D'abord, manga veut juste dire bande dessinée. Oui, je sais que tu sais, mais... Le saviez-vous. Petit quiz, que veut dire manga? Et la définition franco-belge, c'était vraiment pour dire que ce n'était pas du comics américain. Donc je pense que ce n'était pas une définition à proprement parler. D'ailleurs, même au sein du franco-belge, on parle de la BD Gronée,
Pour l'école plus Dupuis, il y a la BD. Aujourd'hui, on parle plus de genre en fait en bande dessinée et moins, enfin dans nos cas en tout cas, moins d'identité à proprement parler. Où on va parler de l'association, le style. De l'association, de la maison d'édition. On va parler du style association. Parfois. Est-ce qu'il y a un style association? C'est très compliqué en fait ces appellations. Tu nous emmènes vers la bande dessinée, le roman graphique peut-être. Exactement. Et qui est un ouvrage, un type de production autour duquel on tourne en termes de définition aussi, qui effectivement a été beaucoup représenté par l'association, mais pas uniquement. C'est très complexe en fait ces questions-là. Je rejoins Isabelle sur le fait que c'est plus une manière pratique. En tout cas au départ, pour identifier des types de production, que ce soit la bande dessinée sérielle, les séries donc dans le prolongement peut-être de Tintin, etc., qu'on a regroupé sur cette appellation. Oui, parce que cette franco-belge était le début des albums de 30, voilà, 42 pages, avec une couverture dure, mais aujourd'hui on fait les romans graphiques, donc ce n'est plus ce que c'était il y a X années, et donc ça ne veut pas dire... C'est presque devenu un fourre-tout, en fait, un roman. Oui, aujourd'hui, on ne sait pas très bien ce qu'on y retrouve. Chacun y met ce qu'il veut, au fond. Et c'est souvent même un effet de snobisme pour se détacher de la bande dessinée qui serait moins noble, en fait. Moi, je ne fais pas de la bande dessinée, ou je ne lis pas de la bande dessinée, je lis du roman graphique. Et même quand tu rencontres un auteur américain qui ne fait pas du comics, parce qu'il y en a, et quand Chris Ware. Oui, par exemple, ou Derf Bagderf, il y en a plein, et que tu leur demandes, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Il fait, je fais de la bande dessinée. Enfin, voilà, donc je pense que cette définition de franco-belge manga comics, manga c'est vraiment un style, et comics, c'est le terme pour bande dessinée en anglais, finalement. C'est pas ça? Non, mais je te laisse. Terminer ma phrase. Non, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant comment vous voyez et comment moi ou nous, on vous voit. Parce que c'est vraiment relativement très segmenté ou fragmenté la perception qu'on a de vous. Quand je dis franco-belge, si tu demandes à n'importe quel jeune ici le franco-belge, pour lui, c'est clairement, comme tu l'as dit, pas le manga, pas le comics, Europe. Beaucoup de lecteurs francophones, en Europe. Voit la bande dessinée franco-belge et ses différentes catégories comme tu les vois, c'est-à-dire qu'ils identifient le manga. Enfin, il n'y a pas de problème de. Nous, on se questionne par rapport à la manière dont on définit l'une ou l'autre, mais d'autres ne se la posent pas du tout. Ils sont adaptés. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a aussi des bandes dessinées au Japon qui sont du coup des mangas parce que ça s'appelle de la bande dessinée, qui ne sont pas le format que tout le monde imagine quand je parle de manga en fait. Bien sûr. Je croyais qu'Henri nous parlait, mais non. Et c'est ça que, parce qu'il y en a, je ne pourrais pas en citer, mais il y en a des auteurs japonais qui ne font pas. Katsuhiro Otomo, Katsuhiro Otomo, c'est Ghost in the. Non, ça c'est Mamoru, je fais la traduction. Mais Katsuhiro Otomo, c'est Rêve d'enfant. L'histoire de mon père aussi, ou le. Taniguchi aussi, se démarque le voyage de Gaïa. Ou Nonomba, ne respecte pas forcément l'esthétique aussi. Et donc pour moi c'est de la bande dessinée en fait finalement. Et alors je vais rajouter une couche là-dessus. Donc il y a la bande dessinée franco-belge, on imagine plus ou moins ce que ça pourrait être. Et en Belgique on a quand même la moitié du pays, ils sont flamands. Oui. Ils parlent une autre langue, ils ont plus ou moins une autre culture. Enfin non, ils ont une autre culture. Ils font de la bande dessinée aussi. Ça rentre dans le franco-belge, en fait, mais... Ils ne sont pas au courant. Non, parce qu'ils ne comprennent pas. Non, je ne peux pas dire ça. Non, mais alors, c'est une bande dessinée, mais culturellement, on sent bien que c'est autre chose. Parce que c'est des couvertures souples, parce que c'est beaucoup des histoires familiales, et on ne sait pas pourquoi c'est ça qui marche en Flandre. Mais vu que ce n'est pas du manga, ce n'est pas du comics, c'est de la bande dessinée, quoi. Mais tout ça pour dire que ça nous ramène vraiment... à la question de, il faut des structures pour rassembler, étudier, analyser. Cette réflexion que vous êtes en train d'avoir au micro, un auteur de BD ne peut pas avoir le temps d'avoir ce recul. Il faut qu'il produise, il faut qu'il vive
au quotidien, il ne peut pas avoir le temps, l'espace ou le recul même de se définir en fait à la fin de la journée. Il ne peut se définir qu'en tant qu'artiste, mais dans un tout, et là je rebondis sur Kubuni, qui est l'une des expositions sur lesquelles nous avons eu à travailler ensemble, Jean-Philippe, ou Afropolitan Comics, qui était aussi une des expositions sur lesquelles on a eu à travailler ensemble. Je vais te laisser en parler un petit peu de toi, non-africain. C'est pas ce mot qui t'a fait tousser, j'espère. Non, il a découvert quelque chose. Je ne s'en remets pas. En fait, je croyais quand tu avais déjà donné la nationalité. Non, mais je réprime depuis un moment. Ça se passe pas comme ça, mon ami. Vraiment, je suis dans un état. Non, mais toi, justement, mais de l'extérieur. Je peux effectivement dire deux mots. Et effectivement, du point de vue qui est le mien, le fait qu'on pensait à une esthétique, quand on disait BD africaine, à ce que l'Européen pensait ou le non-Africain pensait. Pour préciser de quoi il est question, en fait, il y a quelques années, en 2018-2019, je ne sais plus maintenant, on a eu l'opportunité avec Joël, dans la perspective de Africa, parce qu'il est la saison des cultures africaines en France, de travailler sur un projet important qui était un projet de grande exposition qui serait créé au musée de la bande dessinée sur la bande dessinée africaine. Et dans la naïveté, pardon, qui était la mienne, et la méconnaissance, je l'avoue, je le dis, moi, Joël le sait, hein, de cette production du continent, en clair, à part... Vous avez le droit de me jeter des trucs, mais à part... À part, en gros, les auteurs... Faut contrôler les trucs qu'on jette avant. Africains du continent qui avaient produit en dehors du continent, qui publiaient chez Glénat et quelques autres, donc il n'y en a pas non plus, à cette époque-là en tout cas, énormément, je n'avais pas connaissance de la quasi-totalité de ce qui se produisait ici. Et donc, on a eu une première réflexion avec Joël qui m'a littéralement ouvert les yeux. En me disant, mais attends, on a dénombré très rapidement et on aurait pu aller beaucoup plus loin. Je crois qu'il y avait quoi, 300, 400 auteurs. Il y avait plus de 400, plus de 400 sur tout le continent. Et encore une fois, c'est parce qu'on savait. D'en présenter 40. Oui, c'est ça, voilà. On ne pouvait pas repousser les murs, on ne pouvait pas faire une encyclopédie. C'était une exposition. Il fallait qu'elle soit représentative de toutes ces productions. Et c'est là, en fait, où la discussion a commencé à être un petit peu compliqué. Enfin, non, elle était très riche et très intéressante. Mais c'est surtout comment on allait régler cette question de comment est-ce qu'on présente la bande dessinée du continent africain en l'espace de 40 ou 50 auteurs face à une réelle diversité à la fois esthétique, à la fois thématique, avec des influences, des influences respectives selon les régions du continent, qui parfois d'ailleurs étaient, enfin même souvent, aussi des influences coloniales, hein, de la présence de pays avec des cultures et des traditions différentes, enfin bref, qui ont formé des types de bandes dessinées qui n'avaient pas, comme ça, rapidement, n'avaient pas beaucoup de choses à voir. Oui. Et la question, c'était précisément cette question de l'identité. Alors, on ne l'a pas complètement tranché, puisqu'on a appelé l'exposition de Kubuni « Les bandes dessinées d'Afrique .s », c'est-à-dire pour marquer ce multiforme, si je puis dire, on a décidé qu'il y avait peut-être plusieurs Afriques. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Non, c'est ce qu'on s'était dit, surtout qu'en plus, ça a l'héritage linguistique. Plus nous regardons tous à l'extérieur, parce que même nos médias internationaux vont correspondre aux langues qu'on parle de l'héritage colonial. Donc ici, si ce n'est pas des chaînes nationales d'ici ou d'en face, ce sera principalement le français, ce qui n'est pas le cas au Cameroun où on a accès à l'anglais, ce qui ne sera pas le cas en Guinée-Bissau ou en Angola ou en Afrique. Ouais. Et donc, je pense que c'est, alors, je dirais pas que c'est né complètement à ce moment-là, puisque tu l'as précisé, c'est plutôt du côté des RIBD, mais l'idée que, parce qu'on s'est rendu compte, enfin, moi le premier, que non seulement il y avait beaucoup d'auteurs, il y avait cette diversité que je viens de rappeler, et qu'on aurait pu peut-être même prendre différents angles pour présenter cette histoire, qu'on n'aurait pas épuisé le sujet. Oui. Et donc évidemment, on ne peut pas faire tous les ans des expositions sur la bande dessinée africaine, malheureusement. En tout cas, chez nous, pourquoi la bande dessinée, parce qu'il faut qu'on donne leur chance à d'autres produits. mais aussi, tu te souviens que dans le... C'est l'encyclopédie de la bande dessinée
L'Afrique n'apparaissait jamais. Ça occupe peut-être un paragraphe, même tout, pas, je ne sais pas. Même si, pas, même pas. Je crois que ça a été corrigé depuis. Parce qu'il y a, mais y a ça aussi, c'est... Christophe Kassovi a fait une entrée. Oui. Mais... Et de ma petite enquête, pour l'instant, il n'y a pas d'espace dédié réellement. Il va y avoir des librairies, il va y avoir des centres culturels ou des espaces littéraires, mais un espace formé, dédié à la bande dessinée, nous n'avons pas ce type d'espace. Quel que soit le pays où j'ai été, ça n'existe pas ainsi. Coupé. Mais voilà, donc c'est pour dire qu'on a toute la... En conclusion, de mon point de vue, savoir qu'on n'était pas si en retard que ça, c'est rassurant. Parce qu'on se dit donc que on a tout le temps, comme l'a dit Isabelle, tout le temps, toute la place pour créer quelque chose qui soit directement consommable par tous les publics dans le monde, pour qu'ils viennent vers nous et qu'ils comprennent chacune de nos œuvres et de nos créations, qu'on puisse les faire vivre, qu'on puisse les faire tourner et autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a rassuré et m'a conforté dans l'envie de passer à cette étape et de savoir aussi que vos institutions et d'autres sont disposées à communiquer, accompagner ce genre de projet. Ça donne envie de se dire que, OK, au Congo-Brazzaville, on peut se dire que dans moins de 10 ans, certainement, dans moins de 5 ans, pourquoi pas, et dans moins de 2 ans, dans un fantasme absolu, on aura aussi un musée dédié à la bande dessinée. Mais on en a parlé depuis maintenant quelques temps. Il y a aussi cette dimension assez évolutive qui permet, enfin, l'idée c'est de lancer les choses et puis de faire grossir ce lieu, ce centre, de l'enrichir constamment. Je voulais revenir sur la question de la médiatisation, de la valorisation de la bande dessinée et revenir donc sur le centre de ressources. Tu l'as évoqué, donc ce sera un lieu de vie aussi. Est-ce que tu envisages, parce que je crois que tu n'en as pas parlé, mais de présenter des expositions temporaires et peut-être au-delà, comment tu envisages de valoriser les auteurs? Alors, concernant cette structure, oui, je n'ai pas parlé dans le détail. Je me laissais humblement guider par les aînés, tu vois, 35 ans d'existence. On est humble à côté, hein. On est encore au stade embryonnaire. Il faut que l'embryon soit viable avant d'arriver. Ça nous arrive tous. On est tous passés. Non, mais cette structure, je la pense comme un espace vivant. Vivant dans le sens où tu as, dans la partie musée, une collection permanente qui est enrichie régulièrement qui retrace l'histoire de la bande dessinée, de l'image graphique à la narration séquentielle. Parce que pendant longtemps, même pour nous, quand on parlait de représentation picturale, on pensait tous Égypte, hiéroglyphes. Alors que dans le sud, dans les pays de la côte ouest, et là je ne parle pas des États-Unis, on a, et même en Afrique centrale et dans d'autres, de représentations graphiques, on a de l'image narrative. Rappelle-toi, pour l'exposition, on a trouvé des rouleaux, on a présenté des rouleaux peints. Des rouleaux qui s'appellent des rouleaux magiques. Il nous reste 12 minutes, donc avancez un peu et laissez la parole au public si possible. Merci. Non, mais comment il me parle? Qui dit que je suis la directrice de l'événement? Comment il me met la pression, t'sais? Si on veut rester là 3 heures, on restera là 3 heures. Je fais juste mon taf, hein, boss. Est-ce qu'il Merci. Voit, grand boss? Non, mais voilà. Non, mais c'est pour ça que tu es là. Mais voilà, donc, c'est une collection permanente qui retrace l'histoire et qui est enrichie régulièrement. Comme quand on dit à l'étranger, quel est le premier pays qui a été à l'origine de la bande dessinée? Ça se discute selon les historiens. On s'est plus ou moins mis d'accord sur la Suisse. Voilà. Plus ou moins, plus hein, ou parce moins. Que oui. Nos égos en ont pris un coup. Et oui, elles ne sont pas là, les Suisses, elles n'ont pas entendu. Bah, c'est tant mieux. Et à côté des collections permanentes, je pense à des collections temporaires, des expositions itinérantes, sachant que rien qu'au niveau du Festival Bilili, on reçoit chaque année des expositions de nos partenaires et par affection ou par adhérence
vis-à-vis de nos projets, il nous donne les droits d'exploiter, si on le veut, un peu plus ce qu'ils nous donnent dans leurs expos. Ce sera un lieu de résidence pour des résidences croisées sud-sud, parce qu'on pense toujours à l'étranger, puisque c'est l'étranger qu'on voit sur nos écrans, l'étranger hors Afrique. Mais nous avons des richesses. Le simple fait pour un Congolais d'arriver au Sénégal et de se taper les 6 ou 7 heures de vol comme s'il allait en France. Et quand il arrive au Sénégal, vous avez vu à la cérémonie d'ouverture comment Minta, qui est venue du Sénégal, a vécu son arrivée à Brazzaville. Ça l'a marqué. Pourtant, on est tous noirs. Donc, les gens peuvent se dire par raccourci, nous avons la même histoire. Pas du tout. Donc, la résidence croisée sud-sud sert à ça. Décloisonner l'imaginaire, ouvrir l'esprit sur autre chose que son entre-soi ou quoi, son quotidien immédiat. Et il y aura aussi dans cet édifice un centre de doc, une bibliothèque, donc centre de CDI, centre de doc et autres, pour que les chercheurs puissent enrichir leur propre connaissance. En 2013. Ceux qui veulent accéder à la lecture, on était ce matin dans une école avec Isabelle et la possibilité d'accéder à de la bande dessinée par évidente. Oui. Donc d'avoir peut-être dans ce lieu de quoi proposer aux jeunes lecteurs, par exemple. L'Institut français a une très belle collection, une belle médiathèque, mais l'Institut français ne peut pas faire tout le travail de médiation, de valorisation de tout ce patrimoine du continent. Malgré toute sa bonne volonté, il y a même, justement, en résonance avec ce que Bilili BD fait, l'Institut français a créé un espace uniquement dédié à la BD africaine, ce qui n'existait pas comme ça avant. Donc, il y a de l'envie, mais ce ne sont pas, ils ne pourront pas. Un musée, c'est encore autre chose. Donc, c'est autant de trucs sur lesquels on travaille. De la formation, parce que comme on a pu le voir à chaque année avec les festivals, beaucoup ne savent pas ce que c'est le droit d'auteur, comment ils valorisent, comment ils protègent leurs droits, comment le marché des droits, s'ils veulent traduire en une autre langue, comment ça se passe. Il n'y a pas forcément d'école de bande dessinée dans tous les pays, les 54 pays du continent, mais on a des mécanismes de formation à distance, de formation en ligne. Donc c'est tout ça que cet édifice mettra en place. On a hâte, Isabelle. Tu voulais réagir, apporter un commentaire. Oui, mais disons, quand tu parlais des résidences, je pense que même des résidences avec des gens très proches et créer des résidences même avec des auteurs que se retrouver ensemble amène toujours de l'émulation, surtout des artistes. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas toujours aller. Effectivement, je te rejoins en fait. Mais ce que tu dis me permet de rebondir sur le fait que pendant Bilili, cette année a été la première fois qu'on organisait les rencontres d'éditeurs et promoteurs culturels du Congo. C'était la toute première fois qu'ils se voyaient autour d'une table et ils ont d'ailleurs été accueillis à la résidence de l'ambassadeur de Belgique, hein, okay. Hasard bon du calendrier. Mais voilà, il nous donnait l'espace en dehors du festival pour discuter de la programmation, comment est-ce que on valoriserait. Et ça, un musée dédié, ce serait ses missions. Ce ne serait plus à Bilili forcément, même si c'est très bien pour nous de le faire. À l'année, ce serait mieux qu'un musée s'occupe de ce genre de mission. Absolument. Donc avant qu'Henri ne nous jette des choses, parce qu'on commence à déborder, je propose qu'on passe à un échange avec la salle, et que si parmi vous, il y a des questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Nous demandez pas des trucs sur les mangas, hein. c'est pas le moment, c'est pas le lieu. En buvant ces trucs. On en a très très peu dans la collection. Non, mais déjà personne n'est parti. C'est très bien. Mais oui, non, mais je... T'as pas tout. Non, parce que... Mais parce qu'on parlait de patrimoine, de mémoire et tout, ça veut dire que ça vous a relativement intéressé. Est-ce que vous avez des questions? Vu qu'on ne peut pas parler de manga... On peut parler webtoon, si vous voulez.
Non, vraiment. Tu veux parler dans le micro ? Il veut que tu le fasses rêver. Joël, ce sera quoi ta première exposition ? Il veut du rêve, vends-lui du rêve. Non, qui précise son... C'est quoi dans la direction du rêve, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui ? On n'entend pas. Mais essaye de faire une phrase à propos du musée, quoi ? À propos du musée, quel... Mais mon ami, qui es-tu ? Oui, mais laisse-le terminer. Oui, ça d'accord, le pauvre. Si on accueille des gens comme ça... Bonjour tout le monde, je m'appelle Amine. Salut, voilà, c'est bon, je me suis présenté. Donc, à propos du musée... Donc, à propos du musée, est-ce qu'il n'y aura que de l'exposition sur les mangas et les bandes dessinées ? Autre chose à part ça ? Non, ouais. Ma question. Sur les mangas africains, tu veux dire ? Oui, ah. Je me demande s'il n'y aura peut-être pas autre chose à part ça. Mais quand tu dis autre chose, tu penses à quoi ? Je pense aussi, par exemple, un peu aux jeux vidéo. Est-ce que ça sera relié à ça ? Ah, c'est vrai. Voilà. C'est une bonne question. On peut applaudir très fort pour toi. Ouais. Voilà, applaudissez. C'est une bonne question que j'ai failli moi-même poser. Tu vois pourquoi il fallait que tu parles, hein ? Ouais. Non, mais oui, en fait, ça, c'est la partie transmédia. D'accord. Et le transmédia fait partie de la réflexion concernant cet espace. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler avec la cité dans les conventions qu'on a signées, que le centre belge nous a rejoints pour donner des conseils additionnels. Et si vous avez, pour ceux qui étaient à l'ouverture, ils ont vu que le festival de Bucheon en Corée avait envoyé des vidéos pour montrer que on travaillait ensemble, quoi. Le Bucheon a aussi un musée pour le manhwa, le manga coréen. Et le webtoon. Et le webtoon. Et ils ont juste, et ils ont vraiment creusé la question du transmédia. Comment une création en bande dessinée évolue. Et pour ceux qui ont aussi été à la cérémonie d'ouverture, j'étais au Japon, au musée du manga de Kyoto. C'était aussi pour comprendre comment ils travaillent pour trouver notre modèle. En fait, ce que je dis souvent aux gens, très, très souvent, c'est aux blancs que je dis ça, c'est que la biche a une sensibilité que le lion n'a pas. Quand tu as longtemps été une proie, tu es très attentive à tout ce qui se passe autour pour ne plus te faire manger. Le lion, il dort, en fait. Et comme nous avons été colonisés dans nos pays par tellement de personnes, nous avons plus ou moins la sensibilité de la biche. On regarde tout ce qui se passe. C'est ça qui est notre force, en fait. Mais j'ai envie de rajouter, au-delà de l'histoire de ta biche et de ton lion... Parce que tu te fais en lion, là, tu le vis mal. Alors, tu le vis mal. Si tu veux, on va faire l'histoire des femmes. Hein, mais on déborde un petit peu, mais juste, je vais... Sur le transmédia. Alors, je ne vais pas répondre directement. Enfin, oui, je vais répondre qu'un musée, c'est un lieu vivant, en fait. Les musées ont été trop longtemps des espèces de dinosaures qui ne bougeaient pas, poussiéreux, où il n'y avait rien qui se passait. Même on ne s'autorisait pas à rentrer. Et en fait, depuis quelques années, je ne saurais pas dater quoi que ce soit, mais les directeurs de... Enfin, pas les directeurs, les directions de musées se sont bien rendus compte que ça n'avait aucun intérêt d'avoir des musées vides. Et donc, ça évolue en fonction du public, des besoins du public. Et connaissant Joël, j'ai du mal à croire qu'elle ait envie d'être responsable d'un lieu à moitié mourant ou mort. Donc, je suis assez persuadée que s'il faut faire des soirées karaoké pour qu'il y ait du public, des animations, c'est ce qu'on fait. Nous, maintenant, on fait des séances de croquis parce que ça fait venir du monde. C'est chouette, c'est de la bande dessinée. On apprend, on échange, on rencontre des auteurs. On fait des drink and draw où les gens, enfin voilà, on drink and draw, c'est boire en dessinant ou dessiner en buvant. C'est important, tu peux dire. C'est important, hein, oui. Surtout que la Belgique, c'est le pays de la bière, donc vous imaginez bien. Hey. On va avoir une discussion après toi et moi parce que ça va pas du tout. Mais donc, voilà, les musées ont vraiment évolué par rapport à ça, et donc ça me paraît assez évident. Chez nous, les gens sont peut-être pas prêts
au niveau de l'évolution, parce qu'il y a des choses qui sont compliquées en Europe, que c'est un petit peu difficile à faire changer c'est les déjà, mentalités. C'est déjà rodé, en fait. Non, mais justement, il y a des choses où les gens ne sont pas prêts. Aïe, 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 c'est un musée, on peut vous présenter du papier, vous n'allez pas présenter de la vidéo, vous n'allez pas présenter des jeux vidéo. C'est ça. Oui, il y a des résistances. Et l'Europe, c'est un vieux monsieur qui a du mal à évoluer, en fait, ou une vieille madame. Enfin, comme L'Europe n'était pas une divinité féminine. C'est une femme. Oh. Non, mais je ne parle pas de l'origine du... Non, je parle de ce que j'en pense, quoi. Mais ici, il y a... Je ne savais même pas que c'était le nom d'une divinité féminine. Non, mais moi non plus. C'est comme ça vient pas du Japon, c'est... Non, on charrie gentiment. Mais oui, de toutes les façons, ça se voit aussi dans les que ce soit votre apparence ou vos discours, on sent bien. Mais pourquoi tu ris? C'est un compliment. Non, mais je veux dire votre apparence ou votre discours, on sent bien, même par votre présence répétée à Bilili, qu'on est plus figé. Le musée, comme tu l'as dit, ça a longtemps été pensé comme un truc bien carré et difficile à faire évoluer. Et pour nous, il faut qu'on trouve... Le but n'est pas de créer, copier-coller ce qui se fait à l'étranger. C'est justement pour ça qu'il y a tous ces voyages et toutes ces collaborations. Et eux aussi se connaissent déjà, tous ceux que j'ai cités. Vous les connaissez, vous échangez avec eux. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié que tu aies posé C'était la gourde de Bilili au Japon avant que j'y aille. Tu m'avais fait une photo, Bilili, au Japon. Oui. Mais donc voilà, on travaille vraiment en réseau pour que ce que nous, on fera ici, que ça ait du sens aussi bien pour le territoire congolais que pour le continent au sens large et que ça connecte vraiment pour les partenaires non africains. Oui, et puis, enfin, je sais pas comment tu le ressens, Jean-Philippe, et toi, Joël aussi, mais voilà, le monde de la BD, c'est quand même une grande famille, quoi. Donc, effectivement, on se connaît parce qu'on n'est pas tant que ça, finalement, au niveau des opérateurs. Alors, je vais pas parler des maisons d'édition et des auteurs, parce qu'il y en a, vous êtes vraiment très nombreux, mais au niveau des musées, festivals, etc., on essaye vraiment de se mettre ensemble. Et on s'aime bien. Oui, on s'aime beaucoup. Voilà. Je ne peux pas les voir, moi. Mais... Au bout d'une semaine, en tout cas. Est-ce qu'il y a... De quoi ? On est enregistré, vraiment. On est en direct. Et ce sera rediffusé. Ça va mal se passer pour moi. Est-ce qu'il y a une autre question avec un sujet vers complément ? Henri Piaf. Avec sujet vers complément. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clément Junior et ma question est celle-ci. Le musée de la BD en Belgique a-t-il une conservation numérique ? C'est une excellente question. Quand tu dis conservation numérique ? Des œuvres. De bande dessinée numérique ? Oui. Alors, on a ça, oui. Ah, mais ça, on est enregistré, on peut couper le live ? Tu peux dire on a ça et tu dis oui. Non, mais oui, alors très honnêtement, toutes les planches qui passent par le musée pour des raisons de constat d'état, donc pour pouvoir vérifier l'état dans lequel on reçoit la planche, sont numérisées. On le garde, mais alors on n'a pas forcément le droit d'utiliser ces images pour des expositions, parce que à chaque fois qu'on utilise une image, on doit demander à l'artiste ou à l'éditeur. Et si on a le droit d'exposer des albums, on n'a pas le droit de reproduire nous-mêmes une image. Donc les droits en bande dessinée sont un petit peu compliqués. Mais donc on a ça, et puis on récolte aussi des images numériques pour les auteurs qui ne font pas sur papier. Donc quand on les expose, on imprime l'image évidemment, parce qu'il faut bien qu'on mette quelque chose au mur. Parfois on expose en mettant des écrans, mais c'est plus rare. Et puis alors on a un projet qui est un petit peu similaire au vôtre, mais qui est mis en stand-by chez nous pour le moment. C'est un projet qui était de faire un coffre-fort numérique pour tous les auteurs qui font des bandes dessinées numériques, parce que comme le disait Joël, il y a des aventures avec des disques durs, avec de la mise à jour, avec on ne sait plus où on a mis, etc. Et on avait ce projet-là, mais on n'a pas abouti dans la réflexion parce qu'on a mis un peu trop de chantiers en route en même temps. Et du coup,
Voilà, mais oui, c'est quelque chose qui fait partie des évolutions. Et je pense que sur ce point-là, Angoulême est plus loin que nous, en fait. Je ne serais pas aussi affirmatif que ça, puisque, donc, grosso modo, hein, ce que vient de décrire Isabelle, c'est aussi ce que nous faisons, à savoir la numérisation systématique. Alors là, nous-mêmes, on est dans une phase de numérisation systématique de tous les originaux. Et nous aussi, c'est ce que j'ai dit. Pardon, je crois que c'était uniquement ce qui passait en prêt et en... Et notre collection, évidemment, d'accord. Mais ça a été fait. Ouf. Donc, comme Isabelle. On numérise systématiquement. Sur la question des objets numériques natifs, des productions numériques natives, là, on est encore en pleine réflexion. Alors, on veut avoir une démarche assez volontaire. Et effectivement, proposer aux auteurs, on est déjà en pourparlers avec certains, de pas dans la mais là, vous êtes dans un rond-point. Mais si il faut que quelqu'un prenne la tortille à droite. Est-ce que c'est une production originale ou pas? Ah bah oui. Ah, vous faites faire une planche. Voilà, absolument. Ah oui, mais donc il n'y a pas d'éditeur. Comme si on avait l'équivalent de la planche originale, en fait. Oui, mais si tu as la planche originale, c'est une planche qui a été faite pour un bouquin. Ce n'est pas du tout la même chose. On est d'accord. Je ne comprends rien. C'est pas grave. Mais on va s'arrêter là parce que je ne comprends rien. Je suis pas sûr qu'on va conclure sur ça. Un truc chouette. Il y a quelqu'un qui a une question facile Non ? Il n'y a plus de questions ? J'avais vu un doigt se lever, non, par là ? Ouais. Comment ? Moi, ma question s'adresse à... Mais comment tu t'appelles ? Je m'appelle... Dans le micro, s'il te plaît. Je m'appelle Nissaël. Enchanté. Enchanté, moi aussi. Non, c'est ma question... Arrêtez de me faire rire. Va au bout. Moi, ma question, c'est de savoir quand est-ce qu'on fait le drip and draw ici, Madame Elliance. Les oh. Quand est-ce qu'on fait quoi? Le drink and draw, ça y est. Il demande quand est-ce qu'on fait le drink and draw ici. Ben écoute, c'est une activité qui a l'air très intéressante. Hein. Oui. Franchement. On peut faire. On va l'organiser l'année prochaine, je pense. Non, mais non, pourquoi? Comment ça? L'année prochaine. On a un partenariat avec l'ambassade de Belgique, donc pour la bière. Mais ça peut être intéressant, hein, franchement. Ça peut être chouette. Mais vous savez qu'il faut être majeur pour ça. Il faut être majeur. Ça veut dire que vous devrez présenter vos cartes d'identité. Ah, il n'y a pas de problème. Après, drink, ça veut dire boire. Mais, ça ne veut pas dire boire de l'alcool. Drink and draw, c'est-à-dire qu'il faut boire et dessiner. Mais fais gaffe, hein, Joël, nous on l'a organisé pour la première fois cette année et on avait 120 chaises, elles étaient toutes prises. Hein, donc, ah oui. Ah oui. Ah oui.
C'est, ça s'est terminé au poste. Ils sont rentrés comment, les gens? En bus. Ok. D'accord, d'accord. Je note. Donc, elle l'a déjà annoncé. Je ne peux pas... on a dit qu'on était une communauté. Une grande famille. D'accord. Donc, on a annoncé un Drink and Draw l'année prochaine pour 2024 à Billy BD. Voilà. Une dernière question, si, on a... si elle existe. Il y a une main qui s'est levée. Il y a une main. Il y en a deux. Il y a deux mains. Non, mais les gars, on va finir. Ça va, Henri? Henri, il est en PLS. Il est au bout de sa vie, là. Mais... Bonjour. J'ai rendez-vous. Bonjour. Je m'appelle Messi. Je suis développeur. Ma question était sur l'événement Bilili. Depuis 3 ans d'existence, je pense que c'est ce qu'a dit la dame, hein, à moins que je dise une bêtise. Huit ans. Ah, excusez-moi, donc j'ai mal. J'allais dire, est-ce que... Pardon ? Pourquoi il dit 3 ans ? Non, 3 ans de festival. J'ai pris la conférence un peu de cours. Ah. Toi, tu vois pas le gros 8 qui est là-bas ? Ah bon ? Ah ! Oh, ah, désolé. Excusez-moi. Donc, ma question est celle-ci. Depuis 8 ans d'existence, l'écosystème de la BD au Congo devient-elle favorable à l'épanouissement de votre événement? Parce que je me dis que pour certaines personnes, ils se disent que la BD, la même chose que la dame a parlé un peu de la Belgique, est-ce qu'on retrouve le même, disons la même configuration ici là où le, disons que l'écosystème devient plus favorable? Les gens accueillent mieux l'événement. C'est ça, en fait, ma question. Je vais répondre juste parce que j'étais là l'année passée. Donc, je n'ai pas 8 ans de Bilili derrière moi. Mais je trouve qu'en un an, en tant qu'observatrice extérieure, je trouve que le paysage de la production a fort changé, en fait. Que tout d'un coup, il y a plein d'éditeurs, qu'il y a plein de projets, qu'il y a des projets de mise en réseau, de partage de connaissances, alors dont je n'avais pas connaissance il y a un an peut-être, mais j'ai l'impression que mes deux compagnons sur scène sont d'accord avec moi. Je ne sais pas si dans la salle, j'espère que dans la salle, il y a des éditeurs et des auteurs du Congo et qu'ils peuvent confirmer ça. Tiens, en même temps qu'Isabelle, c'est ça? Non? Moi, je peux confirmer, j'étais là il y a 4 ans. Et donc là, c'est vraiment le jour et la nuit, presque. Enfin, j'exagère, mais... Non, tu peux exagérer. Il y avait beaucoup moins d'auteurs, de stands, c'était très bien. Hein. Mais là, j'ai été vraiment frappé en arrivant. Moi, j'ai aimé chacune de mes éditions. Hein, donc, moi, j'ai adoré cette édition. Oui, mais tu n'es pas responsable du marché. Et là, ce qui était flagrant en arrivant, c'est de voir toutes ces productions. Mais tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est... Je ne sais pas si on a répondu à ta question, mais oui, ça évolue et ça change. Mais c'est pas l'événement d'être favorable au marché, c'est l'événement qui met en avant le marché existant. En fait, c'est pas le festival qui crée le marché, en fait. L'idée, c'était pas vraiment l'achat, mais déjà moi-même, c'est ma première participation. J'ai trouvé l'idée très intéressante, tout ça là. Donc, du coup, je voulais me faire une idée un peu générale, si vraiment on progresse, parce que je pense que c'est dans une pente ascendante, en fait. C'était oui, ça. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, mais je crois que c'est difficile d'avoir du recul sur une si petite période. Oui, en fait, en 8 ans, je vais juste donner déjà les chiffres d'affluence. J'ai commencé le festival en 2016. Il y avait 200 visiteurs. Et au moment où je commençais le festival, tout le monde, au moment où je parlais de Bilili, me parlait des concerts, de Roga Roga, des concerts. Vous riez parce que vous savez que c'est vrai. Donc, tout le monde me disait, mais toi, tu fais la BD alors qu'il y a la musique. Donc, à chaque fois, la BD... voilà. Donc, à chaque fois, sachant que Roga Roga est un excellent dessinateur en plus, je l'ai vu, peut-être vous ne le savez pas, je l'ai vu dessiner. Et donc, on a commencé à 200. L'année dernière, on est arrivé à 10 000 visiteurs. En 7 ans, on est passé de 200 à 10 000
visiteur. Le visiteur ne vient pas pour voir la même chose. Et le visiteur ne va pas demander à d'autres personnes de venir si ce n'est pas intéressant. Donc, ça montre quand même que si l'affluence augmente, ça veut dire que le festival propose ou permet à ce qu'il y ait soit du renouvellement, soit de la fidélisation. On se met à suivre des auteurs. Moi, j'ai vu une maison d'édition qui est née il n'y a pas longtemps, plein de gens autour de sa table. J'ai vu, c'est NEA, Nouvelle Ère Africaine. J'ai vu des gamins tout autour qui se sont arrachés les bandes dessinées et son éditeur me dit « je suis en rupture de stock ». La seule fois où j'ai entendu « rupture de stock » spontanément, c'était au Festival d'Angoulême. Et quand j'entendais ça, je rêvais qu'un jour, à Bilili, un auteur me dise « je n'ai plus de BD à vendre ». Et ça, ça fait 2 ans qu'on a ce genre de discours. Sauf que l'année dernière, il y avait juste moins de 5 éditeurs qui le disaient. Maintenant, tu as plein de tables qui te disent « je n'ai plus de stock, est-ce que je peux faire du réapprovisionnement ?» Donc, ça montre quand même qu'il y a une évolution, c'est très positif. Ça va aller ? C'est très positif pour l'avenir, parce que là, on a 8 ans. Elle a dit que son musée a 35 ans. Le festival, sans parler du musée, le festival d'Angoulême a 50 ans. Donc, imagine si l'année dernière, on était à 10 000. Où est-ce qu'on sera pour la 10e édition, vu la progression ? Où est-ce qu'on sera pour la 20e édition, vu la progression ? C'est plutôt très positif et prometteur. Et pour finir sur mon idée de biche que tu voulais arrêter, là. Tu m'as frustré sur la biche. Là. Non, mais le truc, c'est que je donne souvent cet exemple parce que parfois, on va donner un commentaire en disant « Ah, mais les Noirs, quand ils arrivent ici, ils se débrouillent beaucoup plus » ou « Oh, tu as une détermination qui n'est pas de la norme. Est-ce que c'est parce que tu es Camerounaise ? Pourquoi on a l'impression que tu te bats plus ?» Mais oui, j'ai longtemps été biche. Donc, j'ai analysé tout ce qui s'est passé avant. J'ai fait la synthèse de celui-ci, voici sa force, celui-ci, c'est sa faiblesse, celui-ci, c'est comme ça, celui-ci. Je prends tout parce que l'héritage colonial que nous avons eu nous a donné l'illusion qu'on devait toujours être en dessous. Heureusement que maintenant, on a des partenaires qui ont la même vision de collaboration saine et d'avancer rapidement. Donc, on a tout l'espace pour rattraper, je dis rattraper entre guillemets, puisqu'on n'a pas vraiment de retard, mais pour se mettre aux standards et se mettre aux normes, pour pouvoir non seulement présenter des œuvres, les conserver, les valoriser dans nos pays respectifs, ici notamment au Congo, parce que là on a parlé de la BD de Brazzaville, de Pointe-Noire, mais il y a la BD à Nkaï, il y a la BD à Dolisi, il y a la BD à Wesso, il y a la BD sur tout le territoire national avant même de traverser le fleuve. Donc comment on valorise le national et comment on se rend suffisamment marketable, si on peut dire, pour que des personnes qui sont soit nos voisins, soit pas du continent, nous consomment nos œuvres. Et je clôturerai avec une discussion qu'on a eue, il me semble, hier, où on parlait encore du Japon et de l'influence qui fait que tu as des auteurs qui s'appellent Miyaki-san. Je ne sais pas s'il est dans la salle, je vais le charrier avec ça longtemps, mais il y a maintenant des Européens qui dansent du ndombolo. Il y a des Européens qui essayent de danser l'afrobeat nigérien. Tu vois la vidéo, tu vois bien la coordination n'est pas au point, mais il essaye, il fait des efforts, il y travaille. C'est pas moi le problème. J'ai pas essayé ça. On vérifiera ce soir. mais voilà, donc quand on parle de soft power, ça se construit. Les Nigériens ont réussi des choses dans la musique, mais on a tout l'espace pour pouvoir faire des choses, pousser les gens à dire Kubuni et pas Kubuni. Ça, c'était aussi une vraie victoire pour notre exposition où on poussait les gens à prononcer le U bantou. On disait que non, nous, on a aussi le U, le nôtre, qui n'est pas le U français. Donc, c'est comme ça que petit à petit, bout à bout, on se retrouvera à mieux valoriser nos œuvres en tant que créateurs pendant les festivals et à conserver nos œuvres comme vous le faites déjà depuis un certain nombre d'années dans des structures muséales. On n'a pas précisé que Kubuni a été présenté dans beaucoup de pays désormais. Mais Kubuni a été traduit en arabe. Absolument, Kubuni, en espagnol, en anglais. En espagnol, en anglais,
Il me semble qu'ils voulaient le traduire aussi, je pense, en amharique à un moment, et puis ils sont restés sur l'anglais. Kubuni a déjà fait plus de 40 pays c'est dans le monde. Présenté dans les 37 alliances de Mexique, du Mexique, par exemple. Le Mexique a 37 alliances françaises, toutes, presque tous les instituts français d'Allemagne. Donc, c'est une exposition qui voyage. Et les gens sont curieux. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait autant de production en Afrique. Pour eux, l'Afrique, c'était un trait. Et souvent, c'est le trait de Bernard Dufossé Kouakou. Donc, qui est un Français. Qui est un Français. Ça a été un choc aussi de voir qu'il n'était pas noir. Mais voilà, donc après, Dufossé, ça devait mettre une piste. Mais voilà, cette exposition Kubuni marche énormément. D'ailleurs, je ne dis pas de conneries, on est enregistré et on est diffusé. Ça a été le meilleur démarrage de l'Institut français depuis qu'ils ont créé la collection. Ouais, la collection. Et c'est l'expo la plus demandée encore aujourd'hui. Pourtant, ça fait 2 ans qu'elle tourne dans le monde. Donc, ça veut dire qu'on a de l'espace pour se développer. Toi qui dis que tu es développeur, là. On a de l'espace pour se développer, pour s'étendre en tant qu'auteur. Les questions de l'identité sont réelles. Parce que j'ai envie, quand les gens disent « Ah, oh, Bilili, ça veut dire quoi ?» Bah, ça veut dire image, tout simplement. J'ai envie que les gens prononcent des mots qui disent « Lipanda » et qu'ils expliquent aussi au Japon « Lipanda, ça veut dire quoi ?» J'ai envie que quelqu'un me dise « Douta », mon personnage s'appelle Douta, le personnage de ma BD, et qu'on parle de Douta en Colombie et qu'on explique ce que ça veut dire. Que ce n'est pas une langue africaine, c'est une langue du Cameroun ou une langue du Congo, ou « Ah, je ne savais pas qu'au Sénégal, on parlait le Wolof ». Il faut que les gens se rendent compte de la richesse de ce qu'on fait. Et un autre espace qui peut le valoriser, comme chez vous, c'est un musée. Je pense merci. Qu'on est arrivé. Vous pouvez. Il me semble qu'on est arrivé. Il ne faut pas que je force. Je vais faire cool. Donc, il me semble de cette honte que j'ai trouvé moi extrêmement riche. Je pense qu'on aurait pu continuer à discuter pendant, et on va continuer de toute façon à discuter sur ces sujets encore longtemps. Je vous remercie, je remercie Isabelle et Joël de s'être prêté à cette rencontre. Je suis en train d'agoniser, donc je vais aller vite. Et évidemment, je remercie le public qui est venu en nombre, qui a été très attentif, qui a été là du début à la fin, qui a été très curieux. Donc, merci à vous. Merci.